Si le Titanic s'était appelé le Lionel Messi, aurait-il sombré si rapidement? Oh bah certainement, hein. Quand l'inéluctable doit arriver, on peut pas faire grand-chose, hein. Qu'on soit un génie du ballon rond ou pas. Non, il aurait sombré également, mais il aurait essayé de trouver des solutions pour sombrer le moins rapidement possible, quoi. Alors justement, moi j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi le qualificatif d'insubmersible en parlant de Messi. Alors, insubmersible parce que. Alors, c'est un titre qu'on n'aurait pas pu donner il y a 4-5 ans de Lionel Messi. Si on avait fait un livre il y a 5-6 ans sur Lionel Messi ou il y a 5 ans, on lui aurait peut-être pas donné ce titre d'insubmersible. Aujourd'hui, je trouve que c'est un qualificatif qui lui correspond bien parce que on se rend compte que tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, on va dire en dehors des terrains, il a souvent été. Il a eu pas mal d'expériences, on va dire, négatives. Et malgré ça, malgré les problèmes d'hormones de croissance, malgré un départ très jeune à l'autre bout du monde, un déracinement finalement assez rapide, malgré des problèmes récurrents, on va dire, au sein du club de Barcelone, où il y a souvent des combats en interne, des batailles politiques sanglantes, et malgré ces problèmes avec la justice, en fait, il est insubmersible parce que sur le terrain, on a l'impression que tout ça, ça lui glisse dessus, ça lui glisse sur son maillot Blaugrana, et il est toujours assez performant au fil des années, au fil des saisons. Il marque toujours autant de buts, fait toujours autant de passes décisives, et les problèmes finalement extérieurs restent à l'extérieur et jamais sur le terrain. C'est un peu le tempérament, c'est un peu l'ADN des Argentins, ce que tu nous décris là. Bah ça, disons que cette espèce. Je sais pas si c'est vraiment, si c'est vraiment un trait de caractère très argentin. Il se trouve que c'est un trait de caractère qui lui appartient à lui parce que finalement le foot, le ballon rond, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est un moment spécial pour lui, c'est une passion, un jeu qu'il adore et on a l'impression que quand il est sur un terrain, ou en tout cas quand il a un ballon au bout du pied, ça se trouve dans sa chambre ou dans son salon ou dans son jardin également. Eh ben, il respire et il sent bien et il sent comme un poisson dans l'eau, quoi. Alors, le point de départ de ton livre, c'est un épisode assez inédit de la carrière de Lionel Messi. Il s'agit d'un relooking qui fait suite à un épisode douloureux pour lui, hein, la défaite de la sélection argentine en finale de Copa América, la Copa du Centenaire 2016, contre le Chili, où on voit un Messi vraiment très meurtri de cette défaite. Oui, en fait, c'est encore plus que cette finale, c'est cet été 2016 qui a été assez terrible pour lui, parce que bon, donc il y a eu cette mésaventure avec la sélection argentine, encore une fois, une troisième finale en 3 ans qu'il perd, donc les boules totales pour lui. Et en plus, il y a eu tous ces problèmes judiciaires qui sont arrivés. À peine cette compétition était-elle terminée, bah, que en fait son affaire de fraude fiscale a été renvoyée à Barcelone. En fait, ça a été un été assez compliqué pour lui. Et à la fin de cet été-là, ou au milieu de cet été-là, monsieur a décidé tout d'un coup de changer d'apparence. Et ce qui était assez surprenant de la part de Lionel Messi, qu'on a tout au long de sa carrière considéré comme quelqu'un d'anti-mode, anti-looking. Pour le mettre en comparaison avec Cristiano Ronaldo. Et là, tout d'un coup, il est peroxydé, il a la barbe, voilà, il fait très métrosexuel, alors que c'est vraiment pas un qualificatif qu'on lui aurait donné. Et c'était intéressant parce que moi, je l'ai plutôt analysé dans, voilà, je tourne une page, j'ai eu un été galère, faut que je reparte. Et je décide, en gros, de changer de look, comme me mettre dans une nouvelle peau. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il a retrouvé sa couleur naturelle de cheveux, on va dire. Donc on peut dire que c'était juste un passage comme ça, mais un passage intéressant, surtout de la part d'une personne, en fait, qui est regardée et admirée par des millions et des millions de personnes. Donc quand on change de look et qu'on est regardé par autant de personnes, on sait que ça a une Ouais. incidence, on sait qu'on va en parler, quoi. Le message de fond, quelque part, c'était un petit peu touché mais pas coulé.
C'est un peu ça justement son côté insubmersible, c'est que une fois qu'il a été touché dans un trait de son personnage, il mute dans un autre. Bah alors, il mute pas forcément dans un autre, mais là justement cet été, ouais, il a vraiment, il a voulu devenir quelqu'un. Enfin, c'est pas qu'il a voulu devenir quelqu'un d'autre, mais il a évolué, il a avancé. C'est parce que ça reste Lionel Messi, mais voilà, c'est pour moi c'était aussi montrer qu'il avait du caractère, montrer qu'il était indépendant, montrer aussi que quelque part, ce qu'on pouvait dire de lui, il en avait un peu rien à faire. En gros, c'est voilà, maintenant je suis tout nouveau, je suis tout beau, je passe à autre chose. Et ça a plutôt bien fonctionné, on va dire, parce qu'il a recommencé une saison tambour battant. Donc finalement, il a bien fait de faire ce changement. Il y a pas mal d'idées reçues qui tournent autour du personnage de Lionel Messi, et tu en démontes pas mal dans ce livre. L'une d'entre elles, c'est que l'idée que Messi n'est pas très argentin. C'est que il y a comme cette fausse idée sur lui qu'il est un peu plus espagnol. C'est vrai que sa personnalité se rapproche plus d'un Xavi ou d'un Iniesta que l'exubérance argentine. Quand on lit ton livre, on découvre que finalement Messi est très argentin et que même l'Argentine est très Messi aussi. Ouais, Messi, c'est un argentin, on va dire. Il est vraiment 100% argentin. En fait, à Barcelone, enfin, lui, il vit dans la banlieue de Barcelone, face à la mer. Mais dans cette banlieue-là, il s'est reconstruit une petite partie d'Argentine. On dit que sa maison... on surnomme ça Little Rosario, c'est-à-dire qu'il a pris les habitudes que n'importe quel Argentin a. Il boit son maté, il va chercher sa viande chez son boucher dans son bled, mais son boucher connaît les coupes de viande argentine, donc il lui coupe la viande comme il a envie qu'elle soit coupée. Donc il a repris toutes ses habitudes. Là, il regarde beaucoup de foot argentin à la télé, ce genre de choses. Et donc lui, il est argentin. Il n'a jamais prétendu être autre chose qu'un Argentin. C'est un Argentin déraciné. Donc ça a posé problème, un problème d'identification aux supporters argentins. Mais il est vraiment 100% argentin. Et je pense que ça a été tout ça. Ça a été un malentendu parce qu'il est parti très jeune de ce pays-là. Et que finalement, les Argentins et l'Argentine, c'est un pays de foot, de fou. C'est des passionnés de leur club. Il y a une identification très forte de chaque Argentin auprès d'un club. Et lui, tous ses supporters argentins, ils n'ont pas pu s'identifier à un joueur parce que ce joueur n'a jamais été identifié à un club, même si on sait qu'il est Newell's, mais il n'a jamais porté ses couleurs, donc ils n'ont pas eu le temps de s'habituer. Et c'est comme si finalement on leur disait, quand il avait 17-18 ans, « Ah bah tiens, en fait, il y a un mec qui vit en Espagne, qui est aussi argentin et à qui on prédit un avenir brillant. » Et donc là, il faut se l'approprier, apprendre à le connaître, et essayer de l'intégrer, en fait. Et le problème de Lionel Messi, c'est que c'est quelqu'un qui est assez discret, qui donne très peu d'interviews, qui n'est pas du tout expansif, et moins il en donne, mieux il se porte. Donc tout ça a fait que ça a créé un problème, on va dire, d'identification des uns et des autres. Mais oui, pour répondre à la question, Lionel Messi est 100% argentin. Et d'ailleurs, quand il était jeune et qu'il brillait dans les équipes de jeunes de Barcelone et qu'il n'était pas encore rentré dans le système argentin, on le connaissait juste, certains le connaissaient de nom, on en avait entendu parler, mais de loin. La sélection espagnole lui a proposé de jouer et il a toujours refusé. Ça a toujours été clair dans sa tête si un jour il porterait le maillot de l'Argentine, pas un autre, quoi. Alors justement, tu nous parles maintenant du FC Barcelone. Lionel Messi très rapidement traverse l'océan pour se retrouver sur les bords de la Méditerranée à Barcelone. Et là encore une fois, on a l'impression de découvrir quelque chose, c'est que
Messi n'est pas forcément une évidence dès le départ au FC Barcelone. On a comme l'impression que les luttes internes les empêchent de voir le talent de Messi. Non, alors après, tout à fait, mais après, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le début des années 2000. À cette époque-là, en fait, le football est déjà un énorme business, mais les clubs ont quand même pas encore l'habitude de déraciner des enfants, de déraciner des gamins de 12-13 ans pour venir les faire jouer chez eux. Donc déjà, en ça, Lionel Messi, c'est un exemple un peu à part à cette époque-là. Donc on sait, et le père de Messi avait comme exemple un gamin argentin qui s'appelait De Petris, qui n'est pas devenu grand-chose, mais qui à l'époque avait fait couler beaucoup d'encre en Argentine parce qu'il avait signé au Milan AC à 12-13 ans, peut-être une année ou deux années avant que Lionel Messi parte au FC Barcelone. Donc c'était quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup, mais qui, bon, on va dire qu'il commençait à se faire. Et il se trouve que Lionel Messi, quand il arrive à Barcelone, déjà, il faut arriver, il faut déjà qu'on relève un peu la tension sur lui. Et il se trouve que quand il arrive à Barcelone, le Barça est un club, une nouvelle fois, parce que c'est chronique, qui est pris dans un tourbillon politique en interne, où c'est le bordel total, tout le monde se tire dessus, et il y en a un, on peut s'imaginer dans un comité de direction, on va dire, que des gars qui sont prêts à se flinguer les uns les autres, avec des camps très différents, et dans un de ces camps, on dit voilà, nous on a la nouvelle perle, il est argentin, il a 12 ans, il faut le faire venir à Barcelone. Ce à quoi, très facilement, les opposants peuvent répondre, attendez, il a 12 ans, on va pas mettre de l'argent sur un gamin de 12 ans, on va pas déraciner un gamin de 12 ans pour venir le faire jouer à Barcelone. Donc tout ça, en fait, a fait que la signature de Messi a pris beaucoup de temps. Parce que sur le terrain, dès le premier test, je veux dire, fallait pas être devin pour savoir qu'il y avait un gamin qui avait vraiment quelque chose de spécial dans les pieds et qui était vraiment un talent à part. Mais ça, finalement, je pense que le Barcelone est habitué à voir des gamins qui sont très très forts au-dessus de la moyenne. Là, le problème, c'était le déracinement et donner de l'argent. Bon, ça a pris quelques mois, finalement, ça a été fait, mais ce qu'il y a d'un peu dérangeant dans toute cette histoire, c'est qu'on a oublié avec le temps, et je pense que les Messi sont aussi responsables de ça, qui étaient vraiment les hommes qui ont permis à Lionel Messi de signer à Barcelone et qui ont permis au FC Barcelone de signer Lionel Messi. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même la plus grande affaire du football, de l'histoire du football, quoi. Un gamin de 12 ans, on le forme, ça devient Lionel... Enfin, c'est Lionel Messi, bon... Est-ce qu'il y a une histoire identique? Je crois pas, donc voilà. Parmi toutes les personnalités que Lionel Messi a rencontrées dans sa carrière, des grosses personnalités, Pep Guardiola, aussi des coéquipiers, des Ibrahimovic, où il a toujours réussi à finalement s'imposer sans jamais trop parler. Comment est-ce que cette méthode de communication à la Messi, hein, le parlons bien, parlons peu, a réussi à s'imposer? En fait, Lionel Messi, c'est... Alors, ça change, hein, ça devient... Maintenant, c'est un papa qui a deux enfants, donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui a changé dans sa personnalité et puis dans son rapport aux autres et dans sa communication. Mais pendant longtemps... Lionel Messi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a jamais dit les choses, mais qui a toujours fait en sorte que les choses soient sues, quoi. Donc, il y a la fameuse histoire du SMS à Pep Guardiola concernant la place très importante que commençait à prendre Ibrahimovic au sein du Barça. Donc, une petite piqûre de rappel à Guardiola en lui envoyant un texto, en lui disant, bon, même s'il est 5 mètres derrière dans le bus, en lui disant, attention, je suis pas, voilà, il prend trop d'importance, qu'est-ce que je vais devenir moi? Et on sait que tout au long de sa carrière, à un moment, c'était Pinto, l'ancien gardien de but remplaçant du Barcelone, qui s'occupait de ça, ou Mascherano, enfin vraiment des gens proches, qui s'occupaient, quand ils voyaient pas très bien, ou quand il y avait des messages à passer, de faire passer les messages pour Lionel Messi, quoi. Donc il a toujours réussi à faire passer des messages comme ça. Et en cas de crise, de grande crise, comme ça lui est déjà arrivé, de zapper des entraînements, de faire semblant d'être malade après des mises sur le banc, enfin en étant remplaçant ou en n'étant pas content
du déroulé d'un match et de ses performances. Il a de temps en temps fait carrément, il a boudé, mais c'était plus pour montrer, voilà, je suis pas bien, voilà. C'était pareil, c'était un message qu'il envoyait de manière assez infantile, mais qui a toujours fonctionné. Et puis ce qui se passe avec Lionel Messi, c'est que au sein du FC Barcelone, comme au sein de la sélection argentine, tout le monde est très attentif à ce qu'il fait, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il soit mal à l'aise, il ne faut surtout pas qu'il soit mal. Donc dès qu'il y a un problème, tout le monde surréagit pour essayer de régler la situation. Finalement, on se rend compte que dans la vie de Lionel Messi, peu importe les épreuves, l'important, c'est vraiment le football pour lui. Si le football n'avait pas existé, Messi... Ouais, et c'est assez bleu. On a l'impression dans toute son histoire que le football lui est presque tombé, enfin que le ballon lui est presque tombé sur un coin de sa tête presque par hasard, puisque l'histoire, c'est une belle histoire, mais quand il est tout jeune et qu'il va dans son club de quartier de Rosario et qu'il manque un joueur et que la grand-mère dit non, mais demandez au petit Lionel, il va aller jouer, il sait jouer au ballon alors que personne n'a jamais vu jouer au foot, bam, il touche le ballon, c'est tout de suite. Voilà, tout le monde hallucine qu'un petit bonhomme comme ça fonctionne. Et en fait, il a toujours eu cet amour pour le ballon. Et le ballon lui a permis justement de devenir quelqu'un et surtout de s'épanouir. Parce que un gamin comme ça qui grandit pas, qui est très timide, qui est très protégé par les siens, finalement, il a trouvé cet épanouissement grâce au ballon qui est pour lui, qui reste un jeu. Parce que quand on le regarde encore aujourd'hui, pas plus tard que contre le Paris Saint-Germain où son équipe n'existe pas, il n'existe pas, il râle pas, il se prend des coups, il dit rien. Voilà, ça reste quelqu'un quand même qui est vraiment dans le jeu à fond. Alors justement, c'est bien pour terminer, l'avenir de Lionel Messi, est-ce que jusqu'au bout, est-ce qu'il s'inscrira toujours dans le même cadre du FC Barcelone Est-ce que toi, en tant que spécialiste, parce que tu es quand même un grand spécialiste de la question argentine et de Lionel Messi particulièrement, tu en es à ton deuxième ouvrage sur lui, est-ce que pour toi, le FC Barcelone restera le seul et unique club, un peu à la Francesco Totti? Moi, je pense que, dans le fond, c'est ce que souhaiterait Lionel Messi. Ouais. Ça ne veut pas dire que son entourage l'encouragera à faire ça, mais dans le fond, je pense que c'est ce qu'il veut parce que c'est un club qu'il connaît bien. C'est une ville, alors même si c'est en Catalogne, qui parle espagnol, ce qui est important pour lui. C'est une ville qui a un climat quand même assez agréable. En fait, il s'est construit une vie qui lui convient parfaitement. Il est tranquille, il est un peu isolé, il est dans sa maison, il fait beau, il a ses enfants, tout va bien, il parle espagnol. Voilà. Est-ce qu'il partirait en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre? Je pense que si on lui demande à lui, sans parler d'argent, sans rien, je pense qu'il dira non. Est-ce qu'il pourrait venir à Paris? Je pense que dans le fond, il dira non, même si Paris, peut-être que ça, c'est un peu plus sexy à ses yeux, puis aux yeux de sa femme. Mais je pense que si... Moi, je pense que lui, dans sa tête à lui, il va rester à Barcelone et... En fin de carrière, il ira terminer sa carrière à Newell's. À Newell's. Ça, je pense que il l'a toujours dit. C'est vraiment lui, il a toujours dit depuis tout le temps qu'il voulait faire sa carrière à Barcelone et la terminer à Newell's. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe. Après, on voit qu'il signe souvent des prolongations de contrat, que souvent ces prolongations de contrat, entraîne des discussions, des négociations assez longues. Après, ce qui se dit pendant ces négociations, d'un pur point de vue médiatique, je pense que c'est aussi pour faire monter les enchères et tout ça. Mais dans le fond, lui, il veut rester à Barcelone. Maintenant, ça dépend aussi des dirigeants barcelonais. Peut-être qu'un jour, ils vont se dire, tiens, cette année, on peut prendre 150 millions et dans deux ans, on ne pourra plus les prendre. Après, il y en a beaucoup qui parlent du nouveau Camp Nou, que Barça aimerait bien que Messi, en tout cas, accompagne le Barça jusqu'à ce que ce nouveau Camp Nou, pour qu'il soit un peu la star qui rentre dans ce stade-là. Donc, voilà, il y a beaucoup de... Moi, il y a beaucoup de choses qui me font dire que normalement, il devrait rester au Barça. Maintenant, le football, on sait que tout est possible et qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un club chinois dans 5 ans qui lui fasse une proposition à 60 millions d'euros par an. Tu penses que si le football devenait...
devenait bénévole, si c'était du bénévolat, Messi continuera à jouer au foot? Oui, je pense que lui, ouais, il continuerait à jouer au foot, mais comme tous les grands joueurs. Il continuerait quoi qu'il arrive. Et puis de toute façon, il continuera toute sa vie. Même le jour où il arrêtera sa carrière, il organisera des 5 contre 5 avec ses potes à Rosario, et puis il sera content. Mais c'est sûr que lui, il jouera toute sa vie, quoi. Insubmersible, Messi, hein, d'Alexandre Julliard aux éditions Solar. Tu peux nous montrer le livre. Hop, hein, voilà, une belle couverture. Merci, il faut l'acheter, c'est super bien, on apprend plein de choses. Si on aime l'Argentine, Messi et le Barça, ouais, il faut aller bien. Merci à toi. Merci à toi. Oh, but I wasn't.